Dernière tresse. La femme m'a fait le travail. Maman, c'est là pour te protéger. Tu es là pour me protéger, mon cœur. Et papa, c'est là pour me rendre belle. Maintenant, parce que, en fait, je vais vous expliquer. Parce que, en fait, votre père m'a vu que je me coupe les cheveux. C'est pour ça qu'il a fait tout le travail ici. Mais il a menti. Tu as menti, tout ça. Je me coupe les cheveux. Mais bon, merci, mon cœur. Mais je me couperai pas les cheveux. Je vais laisser mes cheveux pousser. Donc, monsieur, tes cheveux coupés là. On verra ça dans peut-être 2 ou 3 ans. Pas la fin. Et que pas laisse ça. Parce que papa laisse ça. Je sais pas, tu es camerounaise, Bengis. On dit papa laisse ça, papa laisse ça. Papa. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'amour. L'amour et rien que de l'amour. Que c'est beau à voir. Depuis que Pam Vemba, que Francis Mvemba, donc Pam Vemba, a signé son grand retour dans la vie de notre Coco Emilia, biscuit de mer. Elle se sent tellement à l'aise, aimée. Et ça dit, depuis 7 ans, elle ne fait que vivre le love story. Et c'est super, c'est tellement beau à voir. Oh non, on voit comment le gars, il tresse Coco Emilia. Il aide Emilia à faire beaucoup de choses. Ça dit, vous voyez, la fille, elle a retrouvé sa joie de vivre. Elle a retrouvé, ça dit, maintenant, elle... Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça dit maintenant, elle vibre, elle vibre. Et le gars est présent. Il est présent. Oh non. Si, c'est vraiment vrai que Pam Vemba est le remède, donc le médicament de Coco Emilia. On dit qu'à chacun son médicament, à chacun son double, à chacun son double, son médicament, quoi. À chacun son médicament. Donc, Pam Vemba, c'est vraiment, il est vraiment le médicament de Coco Emilia. Et vraiment, j'aime regarder leur love story. Donc, quand j'ai le temps, je passe sur la page de Francis Mvemba pour regarder leur love story, comment il joue avec sa femme, avec leur fille. Et c'est super, c'est très, très beau à voir. En bref, je vous laisse regarder un extrait de plusieurs love stories que moi, j'ai téléchargé. Regardez et partager au maximum. C'est vraiment beau à voir. L'amour est rien que de l'amour. Partager au maximum. Regardez le love story de Coco Emilia et Pam Vemba et Francis Mvemba. C'est super magnifique. C'est très beau à voir. Le mariage est un lien sacré dont nous avons l'obligation de bien l'entretenir. De peur qu'il ne tombe ni se brise. Repliquant Mano Sabi chante l'amour avec Tita Fashion. On s'est rencontré la première fois. Je suis tombé fou, amoureux de toi. Très attiré par ton beau sourire. Mes sentiments me disaient qu'on était fait l'un pour l'autre. Le commissaire divisionnaire Kemfa Désiré et madame Kemfa Annie, écoutez la voix de votre fils. Ma déclaration d'amour envers toi depuis notre première rencontre a toujours été sincère. Et vive notre amour. Aujourd'hui nous avons 18 devant Dieu.
téléphone, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire, avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NONSABY. Voilà comment NONSABY s'écrit. N-O-S-A-B-Y. Tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NONSABY pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. Ça dit, je vais te donner 5 euros. Job, 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Ça dit que moi, je vais te donner 10 dollars. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. J'ai dit 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. Ce n'est pas un clash, je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du Victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre, chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Rodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui?